Vous saurez tout sur la détox. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je viens vous parler de mon nouveau magazine sur lequel il y a un spécial détox. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fausses idées reçues à propos de cela et parfois, bien, on ne sait plus trop en donner de la tête. Forcément, vous en avez entendu parler maintes et maintes fois sur Internet, dans les magazines de féminin ou de santé ou de médecine naturelle, etc. Et parfois, on se fait beaucoup d'idées fausses par rapport à la détox. Alors, je suis là dans le magazine pour vous répondre. Et surtout, à l'intérieur de ce mag, vous allez avoir des recettes, vous allez avoir plein de réductions pour pouvoir travailler votre détox. Mais attention, puisqu'on rentre dans le domaine du coaching, vous ne serez jamais seul et bien sûr accompagné par myself, voilà. Où que vous soyez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en Île-de-France, vous pouvez être partout, je suis là pour vous guider. Il y a même parfois des clients des États-Unis, du Canada, etc. qui suivent mes détox et franchement, c'est super. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le premier rendez-vous est gratuit. Ça vous donne la possibilité de connaître ce qu'est le coaching. Ça vous donne l'opportunité de savoir si effectivement ça vous intéresse, si vous souhaitez travailler avec moi ou pas, hein, voilà. Et puis, lors de ce premier rendez-vous, on va fixer vos objectifs et voir comment je peux vous aider à les atteindre le plus rapidement possible. J'avais oublié que j'étais pas seule. Je suis dans la rue en même temps. L'avantage d'être ici, c'est que, vous voyez, on peut parler en plein milieu de la rue, les gens passent, mais mon sac à main, ils s'en foutent. Enfin, bref, voilà. Donc, ça, c'est cool ici. Au moins, je suis tranquille. Ce que je voulais vous dire également, c'est que, je me répète un peu, il y a énormément d'idées reçues sur la détox. Peut-on suivre une détox si on allait, par exemple? Est-ce qu'un enfant peut suivre une détox? Est-ce que la détox, c'est forcément prendre des tisanes? Parce qu'il y en a qui me disent, oh là là, moi j'aime pas tout ce qui est tisane, tout ça, je déteste ça. Faut-il prendre forcément un draineur? Faut-il boire plus souvent que d'habitude lors d'une détox? Que valent les cures détox, par exemple les tisanes que l'on voit dans les supermarchés, etc.? Tout ça, on vous y répond, voilà. Et quelles sont les meilleures huiles essentielles, les meilleures plantes, si vous voulez en prendre, etc. Est-ce que ça coûte cher de faire une détox? Et je vous rappelle que grâce au coaching Mieux-être, eh bien, vous avez un accompagnement. Ce qui vous permet donc de ne jamais être seul. Et si à un moment donné, vous avez des doutes sur quelque chose, ou bien si vous avez un petit coup de mou, parce que c'est vrai que, voilà, ça peut être un peu décourageant au début. Ben, je suis là. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs forfaits. Le premier forfait, c'est effectivement avec obligation d'achat. C'est-à-dire que vous prenez un article sur la boutique et vous avez forcément 30 minutes d'accompagnement offert. Ensuite, si rien ne vous intéresse du tout sur la boutique, là, on peut passer à des séances d'accompagnement offertes, achetées, et voilà. Et vous aurez peut-être un ou deux petits cadeaux offerts pour vous accompagner dans votre détox. Ensuite, vous avez aussi donc le premier rendez-vous qui est offert, et vous avez un super forfait. Mais vraiment un super forfait mensuel où vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Ça veut dire que vous pouvez reprendre contact tous les jours. Si vous avez des interrogations, si vous voulez me faire part de vos doutes, de vos impressions, etc. Voilà.
Ça peut être une fois par semaine, ça peut être deux fois par semaine. Alors tous les jours, j'en vois pas trop l'intérêt, mais parfois, il y en a qui commencent comme ça, tous les jours, et puis après, ils espacent. C'est votre temps à vous. Alors après, c'est le mien aussi, hein. Il faut que ça coïncide avec mes heures de où j'ai pas un autre rendez-vous. Mais c'est très facile de pouvoir se caler des rendez-vous. Et aussi, lorsque vous prenez le forfait mensuel, c'est un forfait pluridiscipline. Donc, ça peut être également ça peut être de la relaxation, ça peut être du conseil en image, ça peut être plein de choses. Et donc, ça vous ouvre le droit à un mois illimité que vous allez pouvoir utiliser comme, je viens de le dire, comme bon vous semble. En sachant que la première séance est entièrement gratuite. Alors, ça se passe comme ça. La première séance, je vais vous demander quels sont vos objectifs. Je vais apprendre à mieux vous connaître. Si vous avez des antécédents médicaux, si vous prenez des médicaments, si vous faites des allergies, etc. On va vraiment cibler votre personne. Alors, surtout, une chose que je déteste, mais vraiment, hein. Voilà. C'est la cliente, la première fois. Oui, bonjour, vous allez bien ? Ouais, ça va, je vous remercie, ça va très bien. Mais ça, c'est véridique, hein. Voilà. Donc, et puis au final, je vous dis, je suis sous antidépresseur parce que ça va pas, j'ai fait une foutre en l'air il y a 3 semaines. Alors, faut savoir, vous voulez être aidé et tout ça va pas, ou tout va bien dans le meilleur des mondes et vous n'avez pas besoin d'être aidé. Donc, je demande de la totale transparence et c'est pour ça que je fais un contrat de coaching pour vous engager à effectivement... travailler en totale transparence. Voilà, quelqu'un qui va se dire, je vais pas lui dire que je prends des antidépresseurs parce que ça ne la regarde pas. Moi derrière, si je vous préconise une huile essentielle ou n'importe qui ne peut pas être compatible avec votre traitement, si vous arrive quoi que ce soit, c'est de ma responsabilité. Donc c'est pour ça que maintenant je mets les choses au clair sur le contrat où on travaille en toute franchise, en totale transparence et surtout, mais surtout aussi dans le respect mutuel. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. De toute façon, je le sens, la motivation. Les gens qui... Même un coaching par téléphone, hein, qui vont répondre avec une demi-heure de retard. Si c'est récurrent, j'ai même pas un petit SMS, je peux pas vous parler tout de suite... je vous rappelle tout à l'heure, il n'y a rien, c'est je m'en fous. Ça ne vous rend pas service en fait, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas motivé, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Sur ce contrat de coaching, on met également vos objectifs et le temps qui vous est donné pour atteindre cet objectif. Alors, il faut être aussi très très réaliste, hein. Voilà. On ne change pas du jour au lendemain, hein. Voilà, parfois chez certaines personnes, ça va mettre quelques mois, d'autres plusieurs années. Enfin voilà, mais de toutes les manières, moi je ne travaille pas plus de 18 mois avec un client sur une thématique précise. Voilà, mais c'est pas pour vous mettre la pression qu'on met un objectif, mettons, à atteindre dans les 4 mois, c'est juste pour avoir un but. Voilà. Pour se motiver. Et si ça met 5 mois ou 10 mois, c'est pas grave, on va pas vous punir, mais c'est juste aussi que voilà, le coaching, on passe beaucoup à l'action, donc c'est pas simplement se dire je vais voir le coach et puis c'est tout, ça y est, c'est bon, j'ai un coach sous le coude. Voilà, c'est aussi beaucoup passer à l'action. Je le dis toujours, vous êtes acteur de vos résultats. Moi, je suis là pour vous soutenir, pour vous guider, mais c'est vous-même qui êtes acteur et non pas spectateur. Alors, c'est vrai que les premières séances, on parle beaucoup, voilà, mais à la différence, par exemple, d'une psychothérapie, là, on va passer à l'action. Voilà, c'est pas, écoutez, je suis en surcharge pondérale parce que ma mère ne me faisait que des nuggets de poulet quand j'étais petit. Donc aujourd'hui, j'ai 50 ans et, quand même, t'as eu le temps de rééquilibrer ton alimentation, enfin tout ça, voilà. Donc c'est clair qu'il y a besoin de parler, bien sûr, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Voilà,
celui qui me dit bah, j'ai jamais été habituée à manger des légumes parce que ma mère ne me faisait pas des légumes, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'en faire? Voilà, par exemple, goûter, ça peut être, je fais des ateliers cuisine aussi, enfin voilà, tout est possible et rien n'est impossible quand on a la motivation. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc tout ce que vous voulez savoir sur la détox, plus votre détox personnalisée en coaching, eh bien c'est donc dans ce magazine de décembre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao.